6h-10h sur Ado. Florian et Philo. Premier réveil hip-hop R&B. En direct des Champs-Elysées, souvenez-vous, en 98. Cette ambiance de fou, souvenez-vous, même en 2006. Allô, oui. Après chaque match, puisque nous sommes allés quand même jusqu'en finale en 2006. Mon gros. Allô. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour, mon gros. Mon gros, tu es en direct des Champs-Elysées où il y a eu une grosse ambiance, paraît-il, toute la nuit, hein. Tout à fait, j'ai passé la nuit sur les Champs-Elysées. Grosse, grosse ambiance des merci Galas, merci Ribéry, merci Anelka. Voilà. Je sais que l'alcool est interdit, mais de toute façon, les gens n'ont pas besoin de boire d'alcool pour faire la fête aujourd'hui. Ah non, bah là, les gens étaient comme des fous, hein. C'était un truc de malade. Franchement, je me suis éclaté toute la nuit. Bah oui, j'imagine. Voilà, on a chanté des 2-0 pour le Mexique. Voilà, tout à fait. Et il paraît que les gens sont venus de toute l'île de France. Alors, de toute l'île de France, de banlieue, les gens ont fait le déplacement. Les RER étaient gratuits toute la nuit pour fêter la victoire. Oui, j'ai vu ça. Du Mexique. Ah, c'est le Mexique qui a gagné. Oui, voilà, mon gros. Mon gros, c'est bon, personne n'y croit. On a essayé de se remettre dans l'ambiance. Reviens dans le studio, c'est bon. Bon, il n'est pas sur les Champs-Elysées, il se passe rien dans la rue. Il se passe rien nulle part, on va faire l'émission normale. Non, on a essayé de se mettre bien dans le contexte, vous voyez. J'ai essayé. Reviens dans le studio, mon gros. Mon gros, t'es là. Tout à fait. Dans un instant, on parle de Michael Jackson, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Éteins ton téléphone, c'est insupportable. Merde. 6h-10h sur Ado. Florian et Philo. Premier réveil hip-hop R&B. Il est 7h. Ah non, on a dit qu'on changeait de générique aujourd'hui. Hein. Bien sûr. Émission spéciale. Alors. Histoire que nous retrouvions des couleurs. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, nous n'aurions qu'une phrase. Mobilisons-nous. Ah, voilà. Oui. Ouais. Mobilisez-vous aussi. Hein. Voilà. 2-0 hier soir. Voilà. Je pense que c'est parce qu'on a perdu l'esprit équipe de France. On a perdu l'esprit Coupe du Monde, mon gros. Mais bien sûr. En premier lieu, les joueurs. Parce que nous, on demande qu'à aller sur les Champs-Elysées. On l'a. Hein. On demande qu'à chanter la 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 la. Ouais, c'est sûr. Que faire? C'est peut-être ça qui leur manque. Peut-être qu'on leur a pas assez chanté. Ils étaient pas là tous en 98, enfin à part Thierry Henry, voilà, ça, c'est mon passage préféré. Et en fait, ils peuvent pas se blairer les uns les autres. Bah non. Puis là, à chaque là, ils se tapent la tête contre lui, les joueurs. Vous voyez, à chaque là, ils se tapent la tête contre le mur, c'est ce que ça fait. Attention, 1, 2, 3, là. Voilà. Donc forcément, il va pas rester grand-chose en France, Afrique du Sud. En même temps, tout le monde dit que c'est mort d'avance. Alors moi, je savais quoi? J'ai envie d'y croire. Hier, vous savez que je suis le mentaliste de l'émission. Hier, j'avais pronostiqué 2-0 pour la France. Ah, j'avais dit pour la France. Oui, pour la France. D'accord. Bon, il y a eu 2-0. Le score était là. Il y a eu 2-0 pour le Mexique. Voilà. Voilà. Quoi? Ouais. Bon, tu t'es trompé de couleur de maillot. Ils se changent tout le temps. La dernière fois, ils étaient en blanc. Là, ils étaient en bleu. Et puis concours de chansons qu'on peut dédicacer. Bien sûr. À l'équipe de France, par exemple, tout à l'heure. Nous avions, je suis venu te dire que je m'en vais. Voilà. Qui vont dire à nos Sud-Africains. Très certainement mardi. Voilà. Tout à fait. Après avoir joué contre l'Afrique du Sud, justement, on peut également mettre ça dès aujourd'hui. End of the road. Bien sûr. La fin de la route. La fin, c'est clair. Voilà, les boys to men. Il y en a plein des chansons comme ça. Anaïs nous propose ceci. C'est Goodbye de Chris Brown. Oui. Bye bye la coupe. Bye bye l'Afrique du Sud. Nous avons Fatima, elle, qui dans un autre style nous propose ceci, qui est pas mal non plus et qui colle bien, je trouve. Bien sûr. Partir un jour sans retour. Mais sans retour. Zéro retour, tout à fait. Ah, ils avaient le pif à l'époque aussi. Et pourtant, ce morceau date de 98. Ah, ouais, 97, 98. Hein. Ah là là. Et nous avons également Sadia qui, elle, nous dit, vu comment ils ont joué sur le terrain hier soir, voici la chanson qu'on peut leur dédicacer ce matin. C'est la danse des canards qui, en sortant de la main, se secouent le bas des rames et font coin. Bien joué, Sadia. Bravo, franchement, ça fait plaisir. Vous aussi, allez sur le Facebook de l'émission adofm.fr dans la rubrique émission Flo et Philou. Vous nous lâchez ça et voilà, ça fait plaisir. 6h-10h sur Ado, Florian et Philou. Premier réveil hip-hop R&B. Bon, vous savez qu'ici nous avons des scoops, nous avons des exclus. Ah ouais. Je suis en mesure ce matin de vous lire que le statut Facebook. De Raymond Domenech ce matin. Ah bon? Ah bon, gros. Ah, il a laissé un statut. Ah, bien sûr. Facebook, Twitter. Ouais. Alors voilà, je vous le dis. Alors, cherche faux passeport, chirurgien esthétique, hébergerie encore à vendre. Bah oui, voilà. Allez, Raymond, on y croit.
8h51, durant cette Coupe du Monde, nous avons un consultant marabout en plus, ouais. Qui intervient régulièrement dans l'émission le matin entre 6h et 10h, qui n'est autre que Patson. Marabout, Patson, est-ce que tu es là? Oui. Ah, alors Marabout, qu'est-ce qui s'est passé hier encore? Ouais, mais tu sais, le problème de la France, c'est la France elle-même. Ah, le problème de la France, c'est la France elle-même. Oui, tu m'étonnes. Et le problème de l'équipe de France, c'est de même mec lui-même. Ah voilà, tout à fait. Depuis le début, ce monsieur, s'il arrive à faire malade, il arrive à rendre malade un marabout. Ouais, c'est vrai. Parce que, alors, on rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, c'est que depuis le début de la Coupe du Monde, Patson est notre marabout. Et là, le marabout est tombé malade alors? Domenech a rendu malade un marabout, c'est qu'il est très fort. Il t'a marabouté. Mais c'est pas possible. En fait, c'est Domenech. Comment? Tu sais quoi, Patson? Domenech est plus fort que le marabout. Domenech t'a marabouté. Ah oui. Ben oui, lui, il a marabouté tout le monde. Domenech est capable de marabouter un arbre, tout. Même les oiseaux français aujourd'hui évitent de voler aujourd'hui. Alors, putain. Alors, marabout, Patson, tu es quand même notre marabout. Il reste un match, même s'il paraît qu'il faut faire 3-0, pour le gagner. Et en plus de ça. Et en plus, il faut que l'Uruguay batte le Mexique ou l'inverse. Bon, à ton avis, est-ce que marabout, Patson, nous allons passer en huitième de finale ou est-ce que c'est mort mardi? Sachant que tout le monde pense que c'est mort dès maintenant. Avant de dire ça, j'ai un dicton que j'ai écrit moi-même. Oui. Quand le cul est brûlé, on demande plus où se trouve le caleçon. Pas faux, autrement dit, c'est mort. Voilà. Bah, écoute. Ça veut dire que après mort, on n'a pas besoin de médecin. Déjà, tu as 3 matchs, tu n'as rien fait, c'est pas un match, tu vas faire quelque chose. Répète le dicton, quand le cul est brûlé. Quand le cul est brûlé, on demande plus où se trouve le caleçon. Eh ben, je pense qu'on va se quitter là-dessus, marabout, Patson. Ouais, ça veut tout dire. Et on se retrouve quand même pour débriefer le match France-Afrique du Sud. On ne sait jamais. Peut-être qu'on retrouvera le caleçon. Non. Et puis, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont commandé encore un gardien en France pour aller en Afrique du Sud pour J'ai vu ça, c'est un truc de fou. Il est dans l'avion. Il est dans l'avion pendant que les autres rentrent, lui il s'en va en Afrique du Sud. C'est vrai, le mec, c'est pas faux. Ils sont tous rentrés. Merci Marabout, Patson, et à la semaine prochaine. 6h-10h sur Ado, Florian et Philo. Premier réveil hip-hop R&B. On n'a pas deux de Marabout comme ça. Non.